Mais merde. Merde. Chier! J'ai cassé le pied au départ, là, ça m'a descendu. Ah, mon Crooks, toi qui aimes les choses simples, courir dans les champs, manger un gros morceau de fromage, jouer avec un bout de bois. Ce que je m'apprête à faire là va te sembler bizarre, inutile, incongru. Je ne vais pas changer le monde, non. Ça remplira pas ton bol de croquettes. Ça n'aura aucun sens ni intérêt particulier. Pour toi, ni pour personne d'ailleurs. Tu vois, Crooks, mon projet, c'est de tout investir. Pendant plusieurs mois pour essayer d'enchaîner une seule voie, une voie mythique, un 9B, ici en Catalogne. Réjouis-toi mon vieux, tu vas pouvoir te gaver de chorizo et manger un paquet de chats. Cette voie dont je te parle, Crooks, c'est Fight or Flight. Et c'est une voie tellement extrême, tellement exigeante, jamais j'aurais imaginé pouvoir me frotter un truc pareil. D'ailleurs, les seuls qui en sont venus à bout sont des putains de machines. Tu sais, Crooks, moi j'ai toujours considéré que l'escalade c'était le plus beau des sports en raison de sa variété. Variété de lieux, variété de mouvements, de styles, de voix. Ce que je m'apprête ici à faire au contraire, c'est de me cantonner pendant plusieurs mois à un lieu unique, une voix unique, les mêmes mouvements encore et encore et encore. Je m'apprête à accepter tous les risques, tous les efforts, tous les sacrifices, pendant 3 mois ou plus, afin de réaliser cet objectif. Je vais y mettre de l'énergie, beaucoup d'énergie. Du sang, de la peau, des larmes, des cellules musculaires, des cellules nerveuses, et du temps. Ouais, je crois que je vais y mettre beaucoup de temps. Le problème, c'est qu'il n'y a vraiment aucune garantie de succès. Tu peux comprendre ça, Crooks ? Non, hein. Que dalle, hein. Je m'en doutais. En fait, Crooks, c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ce projet en particulier qu'on s'est préparé. Pour ça qu'on a quitté le beau et pour le coup enneigé royaume de Belgique. Ces bières fraîches et ces chaudes frites. Pour ça qu'on a embarqué dans Blue Monster, pour traverser la France et nous installer ici. Autant te le dire tout de suite, ça a été condition idéale. Tant pour notre teint de visage que pour tenir les prises d'ailleurs. Ça, Crooksy. C'est pour ça que je m'entraîne à fond depuis plusieurs mois. Ce que tu m'as vu faire en Belgique, tous les jours, plusieurs fois par jour, le yoga sur le tapis, que tu prenais d'ailleurs pour ton panier, les heures passées dans la salle de muscu. Tu te souviens ? C'est sans doute un des grimpeurs les plus techniques, les plus doués dans cet aspect-là de la grimpe en Belgique. Mais au niveau physique, on va pas se mentir, c'est peut-être un des moins forts par rapport à son niveau. Donc on se rend compte directement qu'il n'a pas les mêmes fibres. Physiquement, il a vraiment du mal à s'accrocher. Mais il tire toujours son épingle du jeu d'une manière ou d'une autre. Il rivalise par son mental qui est fort, sa technicité, sa souplesse, et il lâche jamais rien. Tout ça, c'est pour devenir plus fort, plus souple, plus préparé, c'est ça, ouais. Des chances de réussir Fight or Flight. Je sais pas si je m'avancerai, mais je dirais de l'ordre de 50-50. Parce que je crois que c'est vraiment difficile.
selon le créneau qu'il a, en 3 mois, faire une voie comme ça. Vous voyez, 50-50. Des heures de visionnage de vidéos de grimpe. Je sais bien que t'as la mémoire courte, hein. Mais tu dois bien te souvenir de tout ça, non? Si je veux faire cette voie, je dois encore être plus fort, m'entraîner plus dur. Je vais avoir besoin de ton aide, Crox, de ton soutien inconditionnel, moral et mental, et surtout de ta confiance infaillible. Seba, par rapport à Fight or Flight, on sait qu'il va y arriver un jour, mais pour tous ces projets, on ne sait jamais dire combien de temps il faut, et il lui faudra peut-être des années, car c'est à coup sûr le plus gros objectif qu'il s'est sans doute fixé par rapport à ses capacités de grimpeur. Pour enchaîner cette voie, Crooks, je vais devoir répéter les mêmes mouvements, encore et encore et encore, jour après jour, jusqu'à atteindre la perfection. Oh non, ouais, tu peux me descendre. Ouais, c'est con.
Un bloc. En plus de devoir me sublimer, il va falloir que toutes les conditions soient réunies, que les étoiles s'alignent. Alors peut-être, j'y arriverai. Puis si j'y arrive pas, ben, je reviendrai, je réessaierai. Allez, c'est parti! Allez, Kronk, son petit. Et c'est pas le moment de se tourner les pouces, mon vieux, on y va. Waouh, c'est dingue. Quel point ça me semble dur là. Et ouais, Kronk, ta question est tout à fait légitime. Pourquoi tant d'énergie investie, alors qu'il n'y a aucun dentastix, ni morceau de jambon à la clé? Pourquoi tant de sueur, d'insomnie, à penser une douzaine de mouvements quand personne ne m'y oblige? Pourquoi cette même falaise infestée de tiques? Eh non, je le fais pas pour toi, ni pour personne d'autre. Je le fais pour moi. Parce que je trouve ça beau, tiens. Parce que j'aime le challenge, j'aime me dépasser, j'aime pousser mes limites. Je le fais parce que ça me transcende, tu vois. Je le fais parce que se voir progresser dans une voie qui semblait impossible aux premiers abords, c'est sans doute la meilleure sensation que j'ai jamais ressentie. Puis bon, j'avoue, je le fais aussi par ego. Mais ça, c'est un truc d'humain. De nouveau, tu peux pas comprendre.